ça y est, vous allez enfin pouvoir percer, vous faire kiffer. Et surtout avec cette vidéo, j'espère que la communauté sera super bienveillante parce que voilà, j'attendrai un maximum de discipline de la part de tout le monde. Parce que voilà, je vous annonce un petit peu l'arrivée sur mon Discord d'un nouveau channel, le 5v5. Voilà, le 5v5 Prac. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment je veux que ça fonctionne, surtout hein, pour vous donner un petit peu mon expérience professionnelle, pour vous dire un petit peu comment ça se passe à très haut niveau, à niveau professionnel. Hein, toutes les top teams mondiales s'entraînent comme ça. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai envie que ça se passe pour que justement tout le monde se professionnalise et tout le monde un petit peu mûrisse, etc. dans la communauté française. Donc sur mon Discord, vous allez avoir donc la possibilité déjà de rechercher des coéquipiers, de rechercher juste des poteaux pour faire des matchmaking, des face-it, ce genre de choses. Et aujourd'hui, je vous annonce l'arrivée du channel 5v5 dans laquelle vous pourrez aller rechercher des practices, des scrims. Peut-être que vous venez de Fortnite, etc. et vous ne connaissez pas le mot, la signification du mot prac. Ça veut dire scrim dans d'autres jeux. Et scrim, qu'est-ce que c'est? Ce sont des matchs d'entraînement. 5 joueurs contre 5 joueurs. Vous choisissez la carte, l'heure, le lieu et vous y allez. Donc, il va falloir faire des recherches de prac. Donc, il faut être très sérieux, dire, bah voilà, demain, mardi, tel jour, le 18, le 19, le 20, à 18h, à 19h, à 20h, on recherche une prac sur Inferno, on recherche une prac sur Mirage. Donc, il faut que vous ayez un serveur pour pouvoir vous donner rendez-vous et se taper un petit peu tous ensemble. Et le but, ce sera de faire un petit match en 5v5 de manière cool, à s'entraîner et tout. Ou alors, enfin, juste à vous taper sur la gueule d'une belle manière sur CS, mais sans animosité, etc. Je mettrai de grosses sanctions, des bans, tout simplement, à toute personne qui seront donc suspectées, par exemple, enfin, qui seront avérées de tricher, par exemple, pendant les practices, qui ne se montreront pas en prac, hein, les mecs qui cancellent les prac, on appelle ça des cancel prac, donc des gens, vous donnez rendez-vous le lendemain à 17h et les gens ne se présentent pas, bah, vous signalez, on les banne du Discord, comme ça, bah, on veut que des gens sérieux pour ça, et il faudra aller au bout des 30 rounds, il faudra faire 15 rounds en CT, 15 rounds en terreau. Donc, normalement, c'est comme ça que ça se passe les pracs pour justement éviter le rush à la win. Le but, c'est de s'entraîner, de s'améliorer, de travailler des phases de jeu. Donc, peut-être de jouer des phases de jeu en retake. Ça veut dire que vous allez avoir le choix de décider, vous, votre équipe, de ne pas jouer le A, de jouer uniquement en retake. Et là, l'équipe peut-être va s'en rendre compte et elle va aller en A, elle va aller en A, elle va aller en A. Et vous, vous allez devoir faire votre phase de retake 4, 5, 6 fois d'affilée. C'est mieux que de faire un match de manière générale où il peut se passer des phases de jeu en mid, en B, en A. Et vous allez avoir que très peu de situations de jeu en phase de retake, alors que là, peut-être qu'au préalable, vous avez fait un strat time et vous avez préparé des smokes de retake, des molos de retake, des flashs de retake que vous voulez bosser. Et donc, c'est à ça que ça sert les pracs. C'est à s'entraîner, à s'améliorer, à évoluer. Et donc, le but, c'est d'être dans un mindset où le score, on s'en fiche un petit peu et le but, c'est vraiment de s'améliorer. Je sais que la communauté française, voilà, c'est très, très difficile. Je n'ai aucune prétention à l'éduquer ou quoi que ce soit. Je ne suis pas le meilleur des exemples. Mais voilà, je mets cet outil à votre disposition et je modérerai. Il y aura des modérateurs aussi dessus. S'il faudra faire la police de temps en temps pour faire des vocaux avec vous et tout, vous éduquer, je le ferai avec grand plaisir, sans prétention, bien entendu. En tout cas, voilà, c'est ma petite initiative un petit peu pour cette vidéo. Vous avez le Discord dans la description qui sert déjà depuis pas mal d'années pour plein de choses. Peut-être l'arrivée de tournois, encore une fois, hein, la réarrivée des tournois, peut-être, je sais pas. C'est à vous un petit peu d'être actif dessus, voilà, et que tout se passe bien un petit peu avec la communauté française de CS. Je vous fais des bisous les amis, et bon practice à vous.